Salut les stations fréquences, les bosses 1351 de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, il y a déjà du monde, mais c'est tout cuiron. Bonne journée à tous. La bonne journée. Merci, tous à retourner. Les 73. Ah, ça passe tout petit là de mon côté. Là, sur, je suis dans la descente du pont d'Aquitaine. Là, ça passe tout petit. Pour ma part, là, je m'en vais au pont là sur Mérignac. Ah, je suis désolé, mais en plus de ça, il y a du QRM à chaque fois sur le pont d'Aquitaine. J'arrive pas. Je t'entends parler la station, mais c'est tout pas plus. Ah, ça, c'en est qui travaille. Pour les routiers, avec les bascules, ceci, cela, les gravières, c'est bien pratique, c'est bien. Il y a du monde là, mais ils sont. Ça passe petit. Ouais, voilà. C'est vraiment petit. Là aussi, il y a du monde, mais... Bon, bref, ça montre bien qu'il y a du monde un peu partout, en tout cas. Oul, ça marche bien. Oui, oula, t'es oula. À côté. D'accord, ah ben tu vas déboucher aussi, là. Là, on est là sur la fréquence d'appel, hein. Ouais, notre fréquence à nous. Ok, c'est parti. Je suis là. Putain la vache, mais tu l'as mis en mémoire, c'est pas possible. Non, je tourne avec les boutons, avec les micros. Au fait, salut de plus près, on va dire, chi trois coups. Ben oui, mais avec le bouton, tu tournes en rond uniquement sur sur 40 canaux. Après, il te faut attraper le... Oh merde, si, j'ai bouffé le nom. Oh bah zut. Oh bah ça y est, moi je commence à déconner là. On va pas trop travailler. Bon, je t'abandonne à 30 secondes, là, le temps de déposer la pièce d'identité, le badge et puis je reviens. Ça marche, je reste là. Ok, c'est bon pour moi, c'est éteint. Il y a mon ami à la propa qui lui est en train de monter un peu. Ah oui, j'ai entendu monter derrière, effectivement. Bon, ça a changé là au niveau du chantier. Ça a changé, je t'enverrai un messagerie personnelle. Oui, je préfère parce que là en plus, je suis en train de. J'ai démarré là une petite vidéo, donc oui, je préfère. sinon je couperai de toute façon au montage. Mais bon, ouais, ce qui est privé reste privé, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, ok pour ça. Ah, mais voilà, ça y est, encore demain, Michelin, et puis après c'est les vacances, c'est mon grand. Ah oui? Eh bien, là, le restant de la semaine, je m'en vais à une vingtaine de kilomètres au nord de Cuira, sur une petite usine. D'accord, ok. Bon, écoute,
Voilà, c'est vrai parce que. Ah oui, je sais que tu reviens trois jours. Tu viens trois jours après là, sur le chantier là. Puisque Titi a le planning. Là, et je sais que tu reviens trois jours pendant les jours où je serai en vacances. Là. Ok, ben justement pour le vin, ça a changé. Je devais être justement là où tu es et du coup je me retrouvais ben, là où je là d'où je sors. Ah ouais, j'ai cru qu'il y avait un bactérien, c'est les étrangers. Ok pour ça Rémi, voilà. Ok. Oui donc oui, ben, c'est la semaine où je serai en activation puisque c'est ouais. Ouais, d'accord. J'espère que tu auras beau temps parce que c'est vrai que là, c'est pas gagné là pour le moment. Là. C'est. Quoique pour se baigner là, c'est pas mal. Ah oui, sinon, ça va carrément au bord de la Garonne. Hein. Oui, en plus, ouais, non, mais je veux dire, vu la météo. Alors, c'est où exactement là où tu vas? Là, c'est justement, j'en profite que je fais tourner une vidéo pour prendre des infos. Donc, alors, l'expédition, quelle date, quel QTH? Alors, le QTH, ça sera Soussan, dans le Médoc, voilà, pour Soussan. Voilà, mais c'est en propriété privée. Voilà, où je serai, c'est en propriété privée. Viens invité par l'OM de l'Espar, Olivier. 14 RFI 01. Voilà, donc je suis invité dans les lieux d'un, si tu veux, c'est Saint-Domaine. Hein. Voilà, Saint-Domaine privé. Donc voilà, et on sera là-bas. Et ça sera le samedi et le dimanche du week-end du lundi de Pentecôte. Voilà, donc c'est le 23, le samedi 22 ou 23, je ne sais plus, voilà, 22, le week-end du lundi de Pentecôte. Voilà, donc on va arriver très de bonne heure le matin et pour installer les aériens. Et ensuite, donc, dans la foulée, eh bien, on va essayer en espérant que Dame Propague soit encore de retour. Voilà, et voilà, donc il y aura en principe une Delta Loop. Trois éléments, il y aura ma double filaire que je n'ai jamais, que j'ai faite et que je n'ai jamais essayé. J'ai pas l'opportunité de pouvoir l'essayer. Et il y aura peut-être une autre antenne, je ne sais pas, il faut que je voie ce que j'ai. Et puis voilà, donc moi j'aurai mon 7009 et lui Olivier, là, je ne sais pas trop ce qu'il a. Que, alors, il hésite entre prendre un DK ou prendre le Nikon. Voilà, donc ça sera des postes ordinaires, on va dire. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est pas mal tout ça. Donc, là, ce que j'ai retenu, oui, c'est sur un domaine privé. Donc, s'il y a des visiteurs, eh bien, ils se contenteront de faire le contact par les ondes, et puis c'est tout. Quoi. Donc, pas de visu envisagé sur le QTH. Les OM qui ont mon numéro de téléphone, mon assistant personnel, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, puisque on a possibilité de faire venir quand même, tu veux venir faire un petit coucou, voilà, nous voir, il n'y a pas de souci, sauf qu'on est obligé de se déplacer, reprendre la voiture, quitter la station radio pour aller ouvrir le portail qui est quand même facilement 300 mètres de la maison où on sera, parce qu'il y a quand même, comment dire, il y a des bâtisses, hein, donc on pourrait être à l'abri, et il y aura des commodités quand même, voilà, j'ai vu ça avec lui, avec Olivier, pour voir lequel côté sera le mieux. Voilà, parce qu'il y a le domaine est séparé en deux parties, voilà, la partie droite et la partie gauche. Au départ, on devait être sur la partie droite, et les commodités sont sur la partie gauche. Alors, autant tant pis qu'on soit sur la partie gauche, et qu'on ait les commodités, ça sera bien plus pratique, voilà. Hein. Donc, non, mais possibilité de venir, si les OM ont mon numéro de téléphone ou mon messageur, me laisse un message, on m'appelle dessus, et
Ouais, donc autrement dit, la station sera installée dans les chiottes, quoi. Là, il risque d'y avoir de la réverbération. Oh merde. Oui, non, parce que voilà, donc comme j'ai dit, comme petit, c'est par rapport à ça aussi, donc il y a possibilité, donc ouais, je vais amener la toile de tente et tout ça, dormir sur place, puisque ça m'évite de rentrer à Saint-Lédard et repartir le lendemain. Même si c'est pas loin, mais enfin bon, comme ça on aura tout sur place, on pourra tout faire sur place, voilà, donc on va essayer de faire un maximum, voilà, on va essayer de faire un maximum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre qu'est-ce que c'est que je voulais dire d'autre par rapport à là-bas. Oui, puis en même temps comme ça, bon ben on va quand même prendre un groupe électrogène. Même si l'électricité, il vaut mieux quand même qu'on ait les groupes, il suffit qu'il y ait un problème ou n'importe quoi. Je vais prendre aussi mon panneau solaire. Voilà, donc bon, maintenant si c'est beau, tant mieux, parce que oui, ça sera. Voilà. Pour la batterie et puis le panneau solaire, ça sera un peu de mieux. Mais pendant qu'on écoute, on aura les groupes, hein, c'est pas bon. Ok, d'accord. Si t'as quelque chose à allumer derrière, n'hésite pas, parce que je viens de passer sur la rocade. Tout le monde est à l'arrêt, tout est bouché. C'est encore une fois de plus l'horreur. Donc je vais passer par Mérignac Centre et puis remonter jusqu'à la clinique Jean Villard, comme ça, hein, là en intérieur. Mais je vais être en plein dans les QRM, mais si t'as pas plus de puissance, je risquerai de te perdre rapidement. Ok, bon, ben c'est un CQRP là pour le moment. T'es sûr que tu l'as allumé, tu l'aurais pas éteint plutôt des fois. Parce que c'est passé d'une bonne réception encore là, avant que je commence à rentrer dans Mérignac, à assez faible. Non, il est bien allumé, là, je te rassure. Si. Il est bien allumé, si, bon, c'est bon, là je t'entends. Non, c'est peut-être moi qui ai passé à un endroit où ça ne l'a pas fait, quoi. Voilà. Putain, et ce casse-couille, les gens, là, sur la rocade, à la bouchée, comme ça. Hein. Oh, putain, la vache. Là, depuis, ça va faire la 3e ou 4e fois que je me retrouve coincé, comme ça, là, à pas pouvoir avancer, là, sur la rocade. Et là, du coup, je vais passer par Mérignac Centre. Mérignac Centre, le cinéma, là, je prends à gauche. Et je vais me faufiler comme ça en parallèle jusqu'à attraper la clinique Jean Villard où ben là je reprendrai la rocade. Je pense que ça va être bon comme ça. À moins que la zone de fret de Bruges, elle est peut-être un petit peu plus loin. Parce que attraper le lac, ça ne m'intéresse pas parce que de ce côté-là, ça doit être bien bouché aussi. Là, sur la dernière sortie avant le pont, normalement, là, c'est toujours l'angoisse. Par rapport à Jean Villard, la zone de fret, elle est après ou avant? Jean Villard, la zone, c'est derrière, donc c'est avant, je crois. C'est avant ou c'est après? Je sais même plus, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai dû me passer là, par cette route, là, derrière, là. Ouais, ok, d'accord. Méfie-toi, t'as la radio qui sature, donc tu dois rentrer trop fort dans l'Alpha Lima là. Là ça écrase là. Ah d'accord. Bon, ok. Alors c'est toi qui es trop fort. T'as une trop grande gueule une fois de plus, quoi. Ah si. Ouais, bon bah je vais un feu. Putain, il y a même des feux ici, quoi. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Je vais attraper quand même Jean Villard et puis je zioterai. Je zioterai pour voir si non, parce que là c'est vraiment chiant. Les dernières fois, j'ai quand même mis 2 heures là pour rentrer, alors qu'en à peine 1 heure le matin, j'ai fait la route quand même. Ah ouais, non, mais c'est ça, ouais, le problème, là, c'est... Mais moi, c'est pareil, comme ça, dans mon sens, il y en a des bouches, les gens rentrent, c'est chargé. Bon, c'est sûr que ça roule, hein. Voilà, mais je veux dire, ça roule pas quand
insiste pour que je bouge d'habitude. Oh là, je ne peux pas le dire, c'est bon. C'est parti. Voilà, c'est dit. Ouais, ok, ben bah, écoute, ouais, c'est, malheureusement, c'est ça le souci d'habiter la zone arrive à moi. C'est ça le souci, hein. Ouais, donc, voilà, mais donc, pour tout ça, oui, donc, un peu voir, oui, voilà, c'est ça, voilà, ça m'est revenu maintenant. Donc c'est ceux qui veulent voir au Soral l'activation radio, ils tapent sur Google Earth le port de Soussan. Port de Soussan. Et ils auront une vue de... voilà. Donc le Google Earth va les amener sur le port. Voilà. C'est un port... D'accord, tu as dit port de Soussan. Ouais, je te demande confirmation si c'est bien le port de Soussan. Parce que là, je suis en plein AQRM, mais c'est un petit peu compliqué, comme tu pourras le voir. Voilà. Là, j'ai rien, là, je t'ai entendu, mais c'est tout. Bon, ouais, c'est donc ça doit être ça, port de Soussan. Ok, d'accord, pas de problème. Est-ce que pour l'activation, il y a un indicatif particulier d'utiliser? Je vais utiliser mon indicatif kilomètre. Voilà, j'aurais simplement utilisé mon indicatif kilomètre pour l'activation. Hein. Non, il n'y a pas d'indicatif particulier. Olivier, ok, eh bien par rapport à ça, justement, j'ai répondu à quelqu'un là tout à l'heure, là vite fait comme ça, la sauvette, on va dire, pour l'activation. Et c'est vrai que dans les vidéos, partout, ceci, cela, la fréquence moniteur des kilomètres, on en parle assez. Hein. Et ben, justement, il y en a eu un qui a trouvé le moyen de poser la question sur quelle est la fréquence. Et voilà ce que je lui ai dit, ben, sur la fréquence des kilomètres. Maintenant, eh ben, il cherchera un petit peu. ça lui fera chercher un petit peu, ça devrait le faire. À moins qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas compris la plaisanterie, qui moucharde vite pour lui redonner la fréquence moniteur. Je vais le perdre. Ok, d'accord. Bon, ça m'arrange parce que je suis pas loin de te perdre. Hein. Comme je suis pas loin d'arriver là dans le centre de Mérignac, où là ça va plus être possible. Ok, merci pour toutes ces infos, Daniel. Donc les 73-51, là je vais rebasculer sur le 19 en AM, car en suivant je devrais avoir normalement Gilles. Voilà, lui il se tient plutôt du côté du canal 19. Donc je pense l'avoir.
Le dernier coup, j'ai eu. Ah zut, comment elle s'appelle déjà, quel kilomètre? Ah zut, la responsable Isabelle, voilà. Isabelle aussi sur le 19, donc là, je sais pas, ça va dépendre de la propague. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais basculer sur le 19. Donc, merci pour ce petit QSO, mais à la prochaine. Et bon contest, enfin, bonne activation, je veux dire. Ok, les bonnes 73-51 à toi, à plus. Ouais, c'est à la boîte, il n'y a pas de problème. À plus, merci. Ouais, j'ai entendu quelqu'un parler, les 73 de la station. Oui, 73 Dundee. Ouais, là sur le coup j'ai pas reconnu. Ah non, mais on se connaît pas spécialement, mais je connais la voix parce que c'était sur mon compte Facebook. Ok, d'accord, ben là je suis vu la cata sur la rocade, j'ai débouché à 17h hein, de Mérignac. Et vu la cata sur la rocade, tout le monde à l'arrêt. Hein. Alors je prends l'intérieur, j'essaie de rattraper ma route habituelle, le détour que j'avais trouvé. Route barrée, chantier, ceci, cela, on t'envoie d'un bord, on t'envoie de l'autre. Résultat, ben je roule, ça c'est sûr. Ça, c'est le point positif. Je roule, aucune direction, et bien un coup. Je m'en vais vers le nord, un coup je m'en vais vers le sud, un coup je m'en vais vers l'ouest. Ah bah je suis en train de faire les 4 points cardinaux là pour le coup. Ah tiens, le panneau Bruges. Bon ben voilà, toi je croyais que j'étais au Bouscat, mais non je suis à Bruges. Ah ça va, tu te rapproches, je suis parti à 16h30 de mon lieu de garde. Regarde, je suis juste pour le Eh bien, toi, le... D'accord, ok, l'idée première, au fait je suis en train de faire une petite vidéo, ça te dérange pas? Pas, bon, pas de ok d'accord, sinon je coupe net, hein, y a pas de souci. Hein. Alors l'idée première c'était ben, depuis Mérignac, des environs de l'aéroport de ce côté-là, l'idée première c'était vu les bouchons, et bien attraper Mérignac Centre, et puis là me faufiler jusqu'à attraper la clinique Jean Vidard qu'on voit là couleur brique là sur le bord de la rocade. Voilà, c'est le plan A, c'était ça, quoi. Mais bon, vu les travaux, je suis passé au plan B, puis après le plan C, le plan E, le plan F, là, je compte plus, là. Ah, fais gaffe, quand tu vas arriver au plan B, tu es obligé de recommencer au départ, ça craint, tu dois retourner à Mérignac. Eh bien, je sens bien le coup, parce que j'ai vu un panneau qui m'indiquait la rocade tout droit, là, par rapport à où je suis. Comment dire que tu es parti dans le mauvais sens et tu vas te retrouver à passer par le pont François Mitterrand. Ouais, du coup je viens de voir un panneau avec marqué Bruges Centre. Déjà au moins je sais que je partirai pas en direction de la rocade. Après, bon, on va encore improviser. Ah oui d'accord, bon ben là j'ai plus de solution là pour le coup, parce que justement c'est la direction que j'espère prendre aujourd'hui quoi, c'est à dire direction Libourne puis après ben, direction Question la Bataille. Oui, il semble bien qu'il y ait du côté de Question, donc c'est pas rentré. Ah d'accord, je dis à Alexis Grekel que ce soir je dors pas à la maison. D'après toi, comment elle devrait réagir? À mon avis, elle va dire chouette, j'ai le lit pour moi tout seul. Ah merde, c'est pas le genre de réaction que j'attendais, quoi. qu'est-ce que je fais?
Blanquefort. Ah bah tiens. Ah bah je vais prendre la direction Blanquefort. Alors là, aucune idée. Puis comme j'ai pas envie, le Bousca, le cimetière, où ça me parle ça. Allez, t'es. Je vais passer par là. Voilà, par là j'ai encore changé de direction. Là je dois être rendu au plan cul là. Si tu rentres pas à la maison et si tu fais ta femme que tu es rendu au plan cul, elle va gueuler là-bas. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Et au fait, pourquoi j'ai tourné là moi? Attends, non mais ça. J'en ai tellement ras le cul là de ces bouchons que je fais du gros n'importe quoi là. Et en plus de ça, toi j'ai un GPS, mais même moi j'ai envie de le sortir. Ouais, alors attends, je vois un panneau là qui est à l'envers de moi, là je suis à un rond-point. Le Tasta, ah bah là je connais mieux là, le lac, le Tasta. Voilà, le panneau était à l'envers par rapport à moi. Donc là c'est bon, je suis en bonne voie. Voilà, et là à droite, ah bah c'est bon. Comment on se retrouve? Eh bien, pour le coup, je vais rattraper plus facilement que je le pensais la direction du pont d'Aquitaine. Eh bien, tu vas rattraper la direction, parce que le pont d'Aquitaine, c'est compromis là tout de suite. Oui, mais j'ai pas encore trouvé la solution pour rendre la voiture amphibie là et pouvoir passer plus facilement à côté du pont. Ah, ça c'est ballot par contre, va falloir y songer quand même. Hein. Mais c'est un deux spurs que ça, c'est pas amphibie un deux spurs. Bah, faudrait tester pour savoir, pour être sûr. Ah bon, je te le déconseille aujourd'hui. Ah, je suis trois coups. Tiens, je suis étonné hein, que j'ai pas entendu Gilles réagir. C'est 14 km 33 08 ou 09, je sais plus, dans ces eaux-là. Ouais, la belette, ça passe très QRP, mais ça passe quand même, les 73-51, la belette, content de t'entendre. Ouais, enfin, quand j'ai dit t'entendre, c'était un petit peu une blague, hein, parce que là, pour le coup, je t'ai perdu, là. Je t'ai entendu juste quelques secondes, Rémi pour la belette, et puis paf, terminé. Ça passe plus. Ouais, non, mais je suis un petit peu dans le caca, là où je suis. Il n'y a pas d'odeur, c'est déjà ça. Je suis en train d'essayer d'attraper le Tasta de ce côté-là. Alors, les panneaux, j'arrive à... C'est quoi ça? Je vois un parc, Bruges. Le Tasta à droite. Ah, d'accord, ok, ça y est, je vois où je suis. Je crois que je vais atterrir directement... voilà, déjà sur la route, c'est déjà pas mal. Bon, je suis dans la bonne direction. Il va falloir que je me mette une boussole dans la voiture, ça pourrait bien me servir. Au bordel, ça marche bien! Putain, les QRM aussi, là, on peut en ville comme ça marche bien aussi. Hein. Alors attends, je vois Rocade, le Tasta, Rocade, Rocade, le Tasta, Rocade, je me tâte. Mais il faut que je me tâte vite parce que le feu vient de passer au vert. Le voilà. Ah ben en plus c'est marqué, il y a un panneau de déviation. Eh ben je vais rejoindre les copains qui sont bloqués sur la rocade. Ça sera tiens, voilà, faut être solidaire. Voilà, je viens de tourner. Donc il y a toi la station qui est sur Facebook. Il y a la belette. Il y a toi Gilles que je viens d'entendre. Tout à l'heure j'ai eu Daniel. Eh ben ça va, il y a du monde. C'est pas mal ça. Comme quoi, l'avantage des bouchons, c'est qu'on prend le temps de discuter avec les copains. Ça, c'est génial. Exactement, c'est Gilles. Je croyais que c'était Gilles. Enfin, quand je dis Gilles, c'est pas au sens propre du mot. Hein. C'est...
J'ai confondu. Voilà, c'est vrai qu'il y a longtemps que je t'ai pas entendu, Ludovic. Comment vas-tu? Ça va, impeccable. Je passe entre les gouttes et entre les bouchons, tu vois. J'ai récupéré les enfants et on va retourner au QRA par les petits chemins, c'est plus sûr, hachis. Qu'est-ce que j'aimerais bien en faire autant? Ah, voilà. Alors, oh, mais attends, je suis où là? Mais je crois que je suis au feu de la zone de fret pour attraper la rocade. Si je suis dans le bon sens, ça va, ça a l'air de rouler. Par contre, ceux qui vont vers Mérignac, waouh, tout le monde est à l'arrêt, vu ce que je vois sur le pont là, qui est devant moi. Ouais, mais c'est le bordel de pays. La route vers les villes, je crois, ou dans la ville, je sais plus, dans ces eaux-là, et c'est de la pire. Donc, je pense que les stations qui sont à l'écoute, je vais Ouais, la station qui était en premier avec moi, là, sur le 19, là, qui est sur Facebook, tu es toujours là? Alors, ça roule, j'ai repris direction la zone de Mansour. La zone de Punkfort, mais alors tu es pas très loin de moi, puisque là je dois être oui c'est ça, je vois les containers, je suis à la zone de fret pour attraper la rocade. C'est l'autre côté du parc, moi je suis à l'opposé, je suis au rond-point de la route de Grand-Burne. Ok, bon ben t'es pas loin quoi, voilà c'est bon, c'est fait, je suis sur la rocade. Ah, ça va, c'est dans le bon sens. Moi, il faut que j'aille poser le 1000 mètres à Blancfort et il faut que je récupère le couche pour aller à Mérignac. Au secours! C'est bon, ça! Ouais, c'est vrai que là, dans l'autre sens, si moi, ça roule un peu là dans ce sens-là. Par contre, dans l'autre sens, c'est un cata. Hein. Du coup, je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre depuis Mérignac sortie 10. Ouais, c'est ça. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre directement la rocade. Parce que là, vu les détours, les contours, les tours de con et tout ce qui s'ensuit que j'ai pu faire, du coup, le plan Q, il est passé. Hein, maintenant, je suis passé au plan R. R comme Rémi, tiens, après tout. R comme retourner d'où on revient. Ah bah non, c'est plus le. Non, là, le plan R, il est pas bon, en fin de compte. Pas mettre le TX dessus, mais j'avais pensé à prendre une moto pour aller embaucher parce que tu fais chier tous les jours quand même. Pour les moutons, c'est moi j'arrive à la maison. Ok, Ludovic. Le TX sur la moto, non, bien sûr que j'ai une moto. Et non, c'est trop dangereux. Et puis moi je suis pas multitâche. Même si j'en ai l'air d'une tâche. J'en ai qu'une, j'en ai pas plusieurs. Et je sais faire qu'une seule chose à la fois. Alors du coup, le TX sur la moto, je te dis pas les dégâts. Je crois que je risquerais... Non, ça va pas le faire du tout. Je risquerais de faire des rayures sur la moto, là, pour le coup. Ludovic, ok, les bottes sont 13,51 à toi, puisque tu es rendu. Et à la prochaine, et content de t'avoir entendu, parce qu'au moins, je sais que tu es encore vivant. Pas de soucis, moi je suis en fréquence, pas souvent parce que je prends pas beaucoup la voiture en ce moment, mais je prends la voiture pour les vaches de Saros, y'a pas de problème. Allez, quand je m'en mets à tous, et on s'énerve pas, ça finit par se déboucher toujours à un moment donné. Allez, bye bye. Ok, bah c'est comme les bouteilles, hein, c'est pareil, hein, à un moment donné, il faut les déboucher. Pas de problème, Ludovic, les bonnes 113,51 à toi, à plus. Ouais, j'ai entendu des Roger Bip là dans tous les sens, hein, on aurait dit un concerto là en avant. Waouh, là il y a un bip long, je sais pas qui c'est. C'est toi la belette? Attends, je viens de voir un truc tomber, je sais pas. Non. C'est toi la belette que j'entends, t'es très QRP. Ben oui, c'est vrai, tu m'avais dit que t'étais en QRP en ce moment. Ah ouais, je vois la belette,
Oh putain, c'est multibip. Voilà, je suis en train d'essayer de ramer là sur les abords du lac. Voilà, j'arrive tout doucement là sur le pont là qui enjambe le lac. Bon, ok, la station du côté de Banquefort, t'es toujours là? Voilà, ça va déjà un peu plus de circulation parce qu'ils sont tous de la rocade pour passer par là, mais ça roule bien de mon côté. Ok, d'accord. Ah bah c'est tout bon. Et j'en vois qu'ils sont en train de ramer là sur le lac. Putain, mais ils ont de la chance. Hein. Quoique l'eau elle doit être froide là quand même. Hein. Au moins ils avancent. Ah oui, ils avancent, ouais, mais à mon avis, il ne faut pas tomber dedans là, parce qu'on sait d'avoir un peu de frais. Bah donc il est 73-51, nous fonctionnons des visuels sur opérateur Christophe. Je te souhaite une bonne soirée, rentre bien. Oh Christophe, ouais, ben c'est qu'il y en a plusieurs Christophe sur Facebook. Eh ben ça sera surprise, surprise. Ok, les 73-51 toi, et puis bon retour après au QIRA. Avec remarque, et vu comment ça roule, là tu vas avoir plaisir à regarder le paysage. Ça c'est bon ça. Ok, à plus. Allez, bon courage, rentre bien au cœur, ride. Ok, merci, toi aussi, à plus, à la prochaine. Attention, Vega 33, voilà, c'est le QRC me revient. Attention, Vega 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, bah lui, c'est pas. Lui, il est carrément hors concours, hachi. Il doit avoir ces QRM là de son côté là qui le perturbe. C'est à tous les coups. Bon, la belette, t'es coincé dans les bouchons de ton côté ou t'avais envie de faire des heures sup? Bon, ben, j'ai de tête QRM, moi, là, ici. Là, je suis au-dessus, là, au-dessus du lac. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Mais bon, on avance tout doucement. J'aperçois la sortie Bordeaux-Lac, sortie 4B, là, devant moi. Voilà où je suis, là, pour ma part. Ah la vache, et puis en plus de ça, il y a des balises là qui sont en train de balayer la fréquence. Si t'as repris le micro, j'ai rien compris. Ah oui, t'avais repris le micro. Du coup, j'ai rien compris. Voilà, ben là j'ai vachement de QRM moi ici, plus des balises là qui balayent la fréquence. Et du coup, j'ai rien compris. Mais il y a des vagues hein, sur le lac. Je suis en train de regarder ça. Ouais, il y a une petite vague. On voit que ça souffle. Ah, là, je devrais t'entendre, je pense. Ah, bah, je dis ça, et puis ça y est, ça fout la merde au niveau QRM. Voilà! Bon, au cas où personne n'aurait remarqué, il y a des bouchons. Il y a des bouchons et c'est dans les deux sens. Pour qui, pourquoi, je sais pas, mais il y a des bouchons. Oh putain, cette antenne qu'il a, c'est une Santiago 1200. Je viens de voir un 1000 pattes rouge avec une bonne vieille Santiago 1200 d'accrocher au rétro. Putain, il y en a qui arrivent encore à se faire flasher malgré les bouchons. Quoi. Je viens de voir en bas du pont d'Aquitaine, je viens de voir le flash fonctionner. Il y en a, ils font fort quand même, hein, avec les bouchons qu'il y a. Oh là, il y a de la pompague.
Breco, Breco, 73-51 de Dundee 33 en mobile sur Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les trucs en mobile. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je crois que ça doit être l'Italie là, qui lance appel là derrière. Où t'as vu les papas 22? Les Français partent aux Français! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Je suis en train de monter le pont d'Aquitaine. Là, je suis à mi-chemin, à mi-hauteur, presque en haut. Putain, j'ai entendu quelqu'un parler, mais qu'est-ce qu'il y a comme QRM? Voilà, je suis rendu en haut. Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33, du pilote du pont d'Aquitaine. Et côté circulation de ce côté-ci, eh bien, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, c'est le caca et dans les deux sens. Oui, pas sûr l'italiano. Ok, eh bien, Breco, Breco, ce que tu as dit, ça devait être certainement très intéressant. Mais là, moi, j'ai rien compris. En tout cas, de mon côté, ça passe très fort. C'est. Ouais, ça envoie du steak. Hein. Oh, je crois que j'allais faire un petit tour en BLU. Ouais, ouais, ouais. Allez, faire un petit tour en BLU. CQ DX, à la période de 14 km 33-01, opérateur Rémi en mobile sur Bordeaux. CQ DX, à la période de 14 km 33-01, opérateur Rémi en mobile sur Bordeaux. Ah, bon, ok. Thank you.
CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Bordeaux, et qui propose à QSY sur le 27 435. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile et bloqué dans les bouchons sur Bordeaux. Ça c'est fait. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Bordeaux. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui laisse en paix en mobile et qui vous propose un QSY sur le 27 435. Le 27 435. C'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Bordeaux. Oh d'accord. Oui, là, pour votre associatrie au vert, hein, entre Algravie et Ville-des-Prives, en plus, à 100% mon ami, bonne santé. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27 525. Le 27 525, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Bordeaux. Eh ben c'est pas grave. Quand ça veut pas, ça veut pas. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Bordeaux. Bordeaux, Lormont. Il y a des jours comme ça, il y a de la propague, mais bon, quand c'est pas du bon côté, on improvise. Attention, Vega 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Et il est pas là, Vega 33. J'ai entendu un Roger Bip, mais c'était trop QRP de mon côté.
bordel, c'est le bordel. Bon, les stations... ouais, je suis où, moi? Ouais, c'est bon. Les stations fréquences, même la rocade rive droite, hein, c'est complètement bouché. Là aussi, c'est le caca, c'est le caca. Ça, ça s'appelle gruger. Normalement, ça paye. Si lui devant se décide pas, ça va le faire moins. Bon, c'est bon. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Ah! Il y en a un qui m'a moustaché là. Il pleut, bergère, rentre tes moutons. Bon, ben, je crois que pour une conversion professionnelle, là, c'est raté. Là. Ben, sur la scène 89, eh ben, en direction d'Ibourg, ben, là aussi, ça bouchonne, mais dans le sens de la descente. Là, je peux me rire, je peux rigoler, là, ce coup-ci. Là, pour ma part, ça roule. Gilles, Vega 33, est-ce que tu es en fréquence? Là, si, je devrais me rapprocher, là. Bon, ben là, c'est clairement non. À tout hasard, Barracuda 56, est-ce que tu es de ce côté-ci? Ouais, la voiture bip. Ah bah, il n'y a que le Roger Beat qui est passé de mon côté. Les 73-51 à la station de Dundee 33 sur la nationale 89 en direction de Libourne. Putain, j'arrive même à rouler à 110. Waouh, putain, là ça fait fort. Ah là, ça y va à fond. Là. J'ai entendu quelque chose là. Là, on redevient sérieux. J'ai entendu quelqu'un parler, mais c'était très QRP de mon côté. J'ai monté le volume un peu pour voir. Yes! Les 73-51 de Dundee 33. Voilà, je suis sur la nationale 89. Entre, pas loin d'arriver dans la descente de la poste. Alors d'abord, j'arrive en haut de la côte, et après, quand on a franchi une côte, qu'est-ce qu'il y a? Une descente. Désolé, mais je viens de me bouffer 1h45 de bouchon. Alors j'ai un petit peu envie de me lâcher là sur le coup. Ah ben je t'entends plus. Hein. Et ça, c'est la modulation de Billy 2.4, si je me trompe pas. Oh oui, Billy 2.4, putain, ça fait quelques années que je t'avais pas entendu. Oui, j'arrive là je suis sur la nationale 89, à la hauteur de la sortie Montussan, là, avant de descendre dans le trou de la poste. Je vais me rapprocher, enfin, du mieux, du plus vite que je peux. Je vais t'en parler, encore une super difficulté.
Ah ben tu m'étonnes que je vais bien. Et puis très content de t'entendre par la même occasion. Là, ben là je sors du pot, j'ai débauché à 17h la de Mérignac et j'arrive à la hauteur de la poste, ouais, seulement maintenant. Quoi. Remarque, comme ça j'ai eu le temps de profiter du paysage. Les gens ne prennent pas le temps de profiter de ce qu'il y a autour d'eux. Là j'ai eu l'occasion de le faire. Voilà, je suis quasiment rendu dans le trou. Hein. La propagation est là tous les jours en ce moment. Là, c'est vraiment super, mais là, on a surtout de notre côté l'Espagne, l'Italie, Portugal. D'après les messages que j'ai vus sur Internet, il y a aussi les pays de l'Est. Tiens, j'arrive à la sortie 5, Salbeuf. Voilà, je suis là, je suis remonté à la surface. Qu'est-ce que j'ai entendu ces derniers temps aussi? L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. J'ai entendu les pays scandinaves aussi qui arrivent à passer. Là, ça, de toute façon, il est clair qu'on est dans le sens de la montée côté propag. Et là, il n'y a pas de doute, ça y va de plus en plus. Voilà, j'ai arrivé à la hauteur de la sortie 6, Keio. Voilà, ça avance. T'as même de ce côté-ci, là, j'arrive à avoir du QRM quand même. Mais bon, là, c'est vrai que par moments, c'est un petit peu compliqué là pour te sortir à cause de ça, parce que je sens bien que ça demande à passer fort. Mais j'ai ça qui me taquine les oreilles là de l'autre côté, là c'est pas évident. Et en plus de ça, il y a du vent, il y a de la tempête quoi. Donc ça brasse un petit peu, je le sens un peu dans le volant. Mais bon, en tout cas, ouais, j'imagine que si t'es pas plus souvent en fréquence, c'est à cause du pro quoi. Ben oui, voilà, c'est ça quand on est patron. Hein. Ok, ben disons que j'ai un petit peu astiqué l'antenne au miroir, le micro avec, le poste avec, et puis bon, ben c'est leur donner un coup de neuf. Et non, je déconne. Là maintenant, je suis avec un président Lincoln 2, plus derrière un Zetagi B550P qui me donne un peu la main quand même, HI 3 coups. Et au niveau antenne, j'ai maintenant une Wilson 5000, voilà, qui carbure. Ah bah tu m'étonnes. Ah, je vois que ça freine devant. Non, c'est bon. Bah tu m'étonnes, là ça peut, hein. Puisque là je dois tourner à peu près en AM comme ça à 85 whisky.
Ouais, autour de ça. Ouais, ouais, 80-85 whisky dans ces eaux-là. Voilà, j'arrive à la hauteur de la sortie 8, Libourne-Centre. Voilà, je continue pour le moment de, pour attraper après la rocade de Libourne. Alors c'est à moitié vrai, à moitié faux. Disons qu'il y a, pas mal, il y a quand même des stations hein, qui ont fait leur retour. Hein. Après, bon, c'est une question d'horaire. C'est ce que là, depuis la dernière fois que qu'on s'était copié, ça remonte à moi déjà, effectivement. J'ai quand même eu pas mal de nouveaux depuis. Hein. Ah oui, oui, que ce soit sur le 19, mais c'est vrai que c'est principalement en DX qui, que se trouvent les stations. Et oui, la propague étant là, forcément, ça les attire davantage du côté BLU, et ça se comprend. Hein. Autrement, au niveau local, j'ai plus les QR sédentaires, mais il y a quand même des stations. Il y a toujours, toujours les mêmes, oui, du côté de alors, Pamela, du côté de Ribérac, Montpoux-Monistérol, tout ce côté-là, il y a toujours autant de stations. De notre côté, entre Castillon et Bergerac, il y a aussi quelques stations qui sont venues, qui sont revenues en fréquence. Il y a, mais bon, c'est toujours pareil, il faut être là au bon moment, quoi. Au moment où eux sont là, et là, ça se complique un peu, hachi. Ah ben tu m'étonnes, je suis propriétaire du QRA, donc oui, au millimètre près. je suis toujours au même endroit. Et au QRA, ben, j'ai toujours le même matériel. J'ai toujours la même antenne, j'ai toujours le même poste. Mais je me suis un peu lassé du DK métrique, là, du Yasu FT450. Et dessus, j'ai posé un CRT7009. Et curieusement, je m'amuse plus avec le CRT7009, qui est moins puissant, moins de plage de fréquence, qu'avec le Yasu. C'est curieux, comme quoi, avoir plus gros, ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'amuser davantage. Mais du coup, le Yasu, je m'en sers simplement maintenant en SWL. Voilà, comme ces derniers jours, là, je suis descendu écouter un peu sur les bandes basses, comme ça, tac. J'ai écouté pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, paf, automatiquement, j'ai rebasculé là, sur le CRT7009. C'est toi, comme quoi, ma préférence est vraiment bien marquée là, du côté CB. Avec du matériel qui ressemble plus à du poste CB que du poste sur diamateur. C'est ça. Ah, c'est clair que c'est pas leur terrain de jeu. Même si ça marche, c'est sûr qu'ils sont moins percutants. C'est autant un poste de CB va percuter en AM, autant un décamétrique, et ben, il va être étranglé au niveau de l'AM.
Son terrain de jeu, ouais, c'est vraiment, vraiment la BLU. En FM, ça marche pas mal aussi, mais ouais, si, ça marche pas mal aussi. En AM, on peut très bien trafiquer en AM avec un décal métrique, mais bon, c'est vrai, tu as raison. C'est pas du tout leur terrain de jeu, leur terrain de prédilection. Ils ont pas beaucoup de prévus pour, voilà, donc, généralement, voilà, c'est pour surtout pour le on a aimé c'est sûr que vaut mieux faire fonctionner les appareils un peu là, assez régulièrement plutôt que de rester trop longtemps sans les faire marcher. Tiens, je suis sur le pont qui enjambe la Dordogne, là, à Libourne. Voilà, là ça a dû monter là. Ah, j'ai trois coups. Parce que je vois, tiens, par exemple, sur mon forum La Planète Sibi Francophone, là on a un tout nouveau membre. Là, ça fait bien, je ne sais plus, 20 ou 30 ans, je crois, quelque chose comme ça, que son poste n'a pas fonctionné. Son Jackson. Et là, ben c'est coton. C'est coton. Et il demande conseil avant et tout. C'est sûr que là, la panne n'est pas loin, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que les condos et tout dedans ont eu le temps de sécher depuis. Hein. Alors, faut réapprendre à tout ça, à travailler, tout doucement, ça, y aller progressivement. Et bon, malgré ça, hein, ça empêche pas quand même les pannes, les condos de lâcher. Mais bon, c'est vrai que c'est un redémarrage comme ça depuis longtemps, c'est toujours compliqué. Quoi. Voilà, je suis à côté de Citroën, là, sur la sortie, là, pour attraper après la route de Bergerac. Ça marche, merci à toi aussi là pour ce petit QSO qui m'a fait vraiment plaisir. Ça faisait des années que je t'avais pas entendu. Les 7351 212 également QRA. Je fais le QSP sans problème. À la prochaine. Je viens de voir dans mon rétro. Alors là je viens de passer le rond-point là. Et là je viens de voir dans le rétro quelqu'un là avec une Porsche en train de faire du drift sur le rond-point. Comme quoi, quand la route est mouillée, ça a ses avantages. Bon, alors, ça a été vraiment bien sympa. Revoyons un petit peu du côté Propax ce que ça donne. Ah, là il y a. Merde, qu'est-ce que je fais comme connerie? Ah, putain la vache, non. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai mis des coups de micro au cas où. Ah non, c'est qu'il y a vraiment. Ah non, ça venait pas du poste. Ah. Bonsoir, ça fait 15 km, il y a du monde.
Ah bah là aussi. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. J'ai pas reconnu qui c'est. Ça, ça fait déjà 2 heures que j'ai débauché, quoi. Ah. Ah d'accord, oh putain, ça passe bien quoi. Je serais bien tenté de breaker. Mais là ils sont en QSO. Je veux pas casser leur QSO. Alors on constate ces derniers temps que il y a de plus en plus de stations qui font du DX du côté des 40 canaux. Au bout du compte, ça va servir. Qu'est-ce que je veux dire? Au bout du compte, débrider des postes, ça servira plus rien quoi. Tout le monde sera sur le, du côté des 40 canaux. Ok, monsieur Philippe, merci beaucoup. Oui, j'ai essayé plusieurs fois, hein, tous les soirs un peu. Moi, j'ai un peu la fréquence de monitor. Oh, c'est un kilomètre. Oui, il y a plusieurs. Juste à noter. Il n'y a pas de souci, Philippe. Ton rapport ici, c'est 7, entre 6 et 8. Entre 6 et 8. Entre 6 et 8. Ça varie beaucoup. Ça me tente. Break. Break pour 14 km 33-01. Ouais.
avec les Italiens, ça, derrière. Possible. Oui, fin de soirée, ça a tourné vers la Tramontane. Break pour 33-01. Break pour 14 km 33-01. Ouais, Roger, 73-51 à toute l'équipe de 14 km 33-01, opérateur Rémi, en mobile. Du côté de Saint-Émilion, voilà, du côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Ah, c'est compliqué. Ok, en plus de ça, je suis en train de traverser un petit village. Là, ça a été très compliqué. Je t'ai récupéré juste sur la fin, là, sur le moment où tu passes, où tu m'as repassé le micro. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre d'autres OM qui de Mike de d'autres régions sur la fréquence. Là, ça fait vraiment plaisir. Merci, 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 Hachi. Oui, affirmatif. Mais disons que la propague n'était pas forcément dans le bon sens aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que mes horaires de pro, c'est du grand n'importe quoi de mon côté. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, là, toi, là, je suis en mobile, mais ça fait déjà plus de 2 heures que j'ai débauché, là, que je suis encore sur la route. Mais bon, je suis presque rendu au cuir. Hein. Allez, plus que 7-8 km et ce sera bon pour moi. Tu n'es pas tout seul sur la fréquence, j'ai entendu d'autres stations. Les 73-51, les autres stations de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile, entre à côté de Saint-Émilion. Ok, c'est passé très QRP de mon côté, mais c'est quand même passé. Voilà, affirmatif. Ok, oui, j'ai compris que tu étais aussi sur le forum. C'est bon, ça, c'est génial. Là, eh bien, il nous manque un peu plus de propague là, de mon côté. Alors là, pour le coup, ce serait roi carotte. Alors, ben, les conditions de trafic là, de mon côté dans le mobile, ben, je crois que je suis grillé déjà d'avance. Tout le monde les connaît. là, ouais, je suis plus très loin de cuir. Hein. En arrivant au Kira, je ne pourrais pas me mettre en fréquence de suite parce que là, je vais avoir pas mal de boulot. Déjà, à commencer à changer de tenue pour me mettre en tenue civile. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, je sors du bro. Donc là, j'ai déjà hâte de sortir la tenue du bro. Et vu l'heure, eh bien, en suivant, je vais m'attraper une bonne petite bière que j'ai bien méritée quand même. Vu les bouchons là que j'ai eu, de mon côté sur la route, j'ai eu quelques stations en fréquence, ça a été bien sympa, là, ben, sur le petit 9, donc là, ça a été bien cool, et je me suis dit, là, je sors d'un QSO, justement, à l'instant, là, sur le 19, et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour en BLU,
Et en remontant les canaux, j'ai entendu monde sur le canal moniteur. Oh, je me suis dit, là, faut que je tende l'oreille. Faut que je fasse les grandes oreilles. Et j'ai bien eu raison, justement. Et ce qui m'a permis de vous avoir. Là, ça, c'est génial. C'est ça, la radio. Achille, retour. Ok, là je suis en train de vous perdre complètement. Voilà, j'arrive en plein là dans mes collines là, de mon côté. Là je suis en train de complètement vous perdre. Donc avant que vous ne m'entendiez plus, parce que là c'est sûr que là ça va partir en cacahuète. Là. Vous allez bientôt plus m'entendre comme c'est le cas de mon côté. Je vais vous envoyer les bottes 71-51. Merci pour ce petit QSO. Je vous dis à la prochaine. Et bien sur le forum, je suis en train de faire une vidéo. Vous pourrez voir ce que ça donne de mon côté. Merci à toute l'équipe. Bye bye. Parce que là, ça va plus passer. Là, c'est sûr et certain. Merci. Bye bye. Et j'ai le relais qui colle au niveau d'Alpha Lima. C'est pas cool. Ok, merci, voilà, j'ai dû m'arrêter juste à un croisement là à côté de chez moi, c'est une petite butte, et moi je suis quelques mètres plus bas, donc c'est sûr que là je vous perds, je fais gaffe qu'il n'y ait personne qui arrive quand même, les 73-51 à tous, merci, bye bye.